Coucou mes abonnés, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la mise à jour du 12 janvier 2022 avec Tente ta chance à la morsure du serpent de l'écurie d'Urwick. Donc aujourd'hui on a une course à faire, une nouvelle course, donc on va découvrir tout ça ensemble. Donc c'est parti, je vous souhaite un très bon visionnage. Donc on va parler à Marc ici présent à côté de moi, donc c'est parti. Coucou, alors comment ça va? Tu es Lucie, hein? Bienvenue à l'aréna de l'écurie d'Urwick. Je m'appelle Marc, à l'origine je viens du tout autre île, le Royaume-Uni. Je suis un cavalier passionné de concours complet et j'ai représenté d'Urwick lors de compétitions dans le monde entier. Ça fait des lustres que j'habite à d'Urwick maintenant, cette adorable petite île est mon chez-moi. J'étais même censé être fait chevalier par la baronne en raison de ma contribution au sport, tout ça, mais finalement... ça ne s'est pas fait, il y a eu un scandale avec une fille enfermée dans un tour. Aujourd'hui, je ne fais plus de concours complet, mais j'ai gardé mon vieux compagnon avec moi. Je te présente Archibald Reynold, CDX L3, le 433e descendant d'une lignée destinée de Trackner. Je m'appelle Archie. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Quand j'ai entendu l'idée géniale d'Eva, qui a combiné le saut d'obstacle et le cross-country à l'écurie Golden Leaf, cela m'a donné envie d'inventer un parcours dans le même genre. Tu veux essayer? Tu as de la chance, la toute nouvelle course de l'écurie d'Urwick est prête. Amen. Laisse-moi juste un instant pour ajuster ma tenue et réviser mon discours. Bonjour, bienvenue à la morsure du serpent de l'écurie d'Urwick. Je supporte que tu te demandes pourquoi cette course s'appelle comme ça, hein? Eh bien, quand je suis arrivé à d'Urwick pour la première fois, j'ai fait un stage d'été au chalet de la morsure du serpent, au nord de l'île. Des années plus tard, les Wettons ont gentiment accepté de me mettre en contact avec leur frère Herman pour que je puisse organiser une course par moi-même et à la plus ancienne et renommée d'écurie d'Urwick en plus. Je n'oublierai pas mes modestes origines et le nom de cette course rend hommage au chalet où mon amour du concours complet a vu le jour. Enfin, j'ai déjà bien assez parlé, la morsure du serpent de l'écurie d'Urwick t'attend. Donc c'est parti, on va découvrir ensemble la course, on va doucement commencer au début. On essaie de faire un sans faute. Au moins ici c'est un peu plus grand. Hop. Il y a plus de place. Ah, c'est sympa cette course, je commence à l'apprécier. Hop là. Ouais. Hop là. Et voilà pour la course.
Morceau du serpent à l'écrit du Herbic. Elle est cool comme course, ça va. Elle est assez simple à faire, je trouve. Ouais. Elle est pas trop compliquée. Bonne course, j'ai beaucoup aimé te voir approcher chaque défi du parcours. Si tu veux réessayer, n'hésite pas, à bientôt. Et voilà, une course qui s'ajoute sur la carte. Hop, ici, voilà. Donc voilà pour cette course. Alors déjà, cette course, elle se trouve à l'aréna de l'écurie d'Urvik, donc à côté de la ferme Sunfield. Pour commencer la course, il faut se présenter à Marc, ici présent à côté de moi. Cette course, on a une récompense de 150 XP pour le cheval, voilà. Elle va rester de façon permanente sur le jeu, donc tout le temps, quoi, voilà. Elle ne va pas partir, elle n'est pas limitée. Et ensuite, les conditions requises pour participer à cette course, on doit avoir fait la course de l'écurie d'Urvik au moins 2 fois. Que la course qu'on a à l'écurie d'Urvik, celle-ci là, voilà. Pour faire cette course, voilà. Donc voilà les conditions de cette course. Et c'est tout ce qu'il y a dans cette mise à jour, voilà. Donc voilà, on en a fini avec cette mise à jour d'aujourd'hui. Elle aura été assez courte. Ils ont juste rajouté une nouvelle course à l'écurie d'Urvik. Donc voilà. Ça fait un plus pour entraîner nos chevaux avec les courses. Voilà. C'est toujours ça, hein. C'est toujours ça de prix. On a quand même 150 XP pour le cheval. Voilà. Pour les entraîner. Moi j'aime bien. Voilà. La semaine prochaine, il est temps que l'Impalooza reçoit une mise à jour. Donc on aura des nouveaux chevaux de génération 3 de la race Impalooza. Donc j'ai trop hâte d'être la semaine prochaine, on verra bien, on verra. J'adore quand une race de chevaux qui sort sur un jeu, une nouvelle race. J'adore. J'ai trop hâte d'y être. Voilà. Rendez-vous la semaine prochaine de 19 janvier 2022. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai adoré vous la faire comme chaque mercredi. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, voire même vous abonner. C'est très important pour la communauté de ma chaîne. Et merci d'être aussi nombreux. Ça fait très plaisir. Merci. Et sur ce, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos en ma compagnie. Au revoir. Bisous. Bye.